Bienvenue à l'hôpital. Embargo gouvernemental. Faut avoir le mental. Tout est bancal. On essaie d'éviter les fins brutales. Avec un matériel médical frugal, minimal. Ici la mort est banale et la vie finit mal. Tu le comprends dès que tu poses la malle. Que tu sois une femelle ou un mâle, bienvenue à l'hôpital. La tête de lit est une pierre tombale, trou de balle, fais ta prière, prosterne-toi, voilà le docteur. Bienvenue à l'hôpital, la plupart partent d'une maladie nosocomiale. Je suis le docteur Satoru, décrochez monsieur Santoro de la roue. Les deux chirurgiens se battent pendant que madame accouche. Morte avec le bébé, personne n'aura à changer les couches. La nouvelle grippe, ici, est la souche. Le soir, on sert la soupe, des cafards dans la louche. Grand-mère s'est coincée le cou dans le rideau automatique. Une agonie lente et pathétique. Les infirmières dépassées confondent les flacons. Les malades tombent comme les flocons que les survivants regardent d'un air morne. Cloués sur leur lit, souillés par la mort. La vie ne vaut pas d'être vécue. C'est pour finir ainsi, vaincu, battu, parfois violé par les infirmiers, tous d'anciens prisonniers en stage de réinsertion. Car le secteur hospitalier est inhospitalier, plus personne ne veut y aller, même les fous alliés. Des heures supplémentaires non payées, on travaille à contre-cœur. Les malades perçoivent notre rancœur, rarement rétablie, car quand on opère, on se trompe d'organe. Pour oublier les râles du voisin, la télé et ses programmes remplacent la morphine, nous n'avons plus un gramme. Je soupçonne l'anesthésiste de s'envoyer dans les veines cette précieuse canne. Un rappeur maudit dans la chambre 6 organise un vacarme quotidien, il déblatère une chanson qu'il appelle le drame. Bienvenue à l'hôpital. La joie de vous retrouver explique certainement l'ambiance de cette séance. Merci. La on veut du travail, on veut du travail, on veut du travail, on veut du travail. Tu n'as pas d'expérience, t'as pas le droit de travailler. Allez. Décidément. Décidément. Vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Lavez pas. N'en rajoutez pas, s'il vous plaît. Si on vous appelle, c'est qu'il y a crise. C'est sûr. Absolument. Si on vous appelle, c'est qu'il y a crise. L'emploi, nous le savons, c'est un problème, notamment un problème pour les jeunes, pas seulement pour les jeunes, mais alors, c'est un problème essentiel pour la France.
Et la défense est toujours au cœur de l'essentiel. Nos militaires sont là, pour la France. Elle est d'abord dans la sécurité. Nos militaires sont là pour protéger notre territoire, pour protéger nos citoyens. Et nos militaires, c'est un problème, notamment un problème pour les jeunes, bien sûr. Chaque année, la défense engage 35 000 jeunes. Des jeunes qui n'ont aucun diplôme. Des jeunes jeunes, toujours en échec scolaire, jeunes. Deuxième chance, jeunes. Des jeunes jeunes. Jeunes, des jeunes qui sont en grande difficulté et également en voie de marginalisation sociale. Il faut donc leur redonner quelque chose. Voyons ce plan vert, ce plan de deuxième chance en quelque sorte, c'est le plan des militaires, plan nouveau. J'ai bien compris, discipline, formation. Plus que ça, oui, si vous permettez. C'est la transposition de ce que nous faisons aujourd'hui pour former des jeunes militaires. Transposition des jeunes militaires au plan civil. Défense de deuxième chance. Nous allons utiliser les savoir-faire qu'ont acquis les militaires pour, au moment où ils vont sortir de l'armée, utiliser cela, les militaires, pour ces jeunes qui sont en grande difficulté. Des jeunes militaires pour ces jeunes qui sont en grande difficulté. Moi, j'ai bien compris, discipline, formation. Plus que ça, oui, si vous permettez. On va d'abord leur redonner une formation comportementale. Leur apprendre tout simplement ce qu'est la discipline des militaires. Des disciplines et que parfois ils n'ont jamais connu. Une formation comportementale. Les militaires. Discipline. Se lever le matin, les militaires. Assister aux cours, etc. Nous allons leur proposer se lever le matin, les militaires, etc. Et long la zone. Un, la discipline. Deux, les fondamentaux. Les militaires. Les fondamentaux des militaires en fonction des besoins du marché. Donc nous, les militaires, nous allons leur proposer des militaires, des activités militaires en fonction des besoins du marché. Donc nous allons leur proposer des activités en fonction des besoins militaires. Des activités dans le domaine militaire. Les fondamentaux en fonction des besoins du marché. Donc nous allons les militaires dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des transports et de la sécurité. Les fondamentaux les militaires en fonction des besoins du marché. Donc je vous dire où il y a en fonction des besoins du marché. Donc la lecture, l'écriture, le calcul, les fondamentaux les militaires en fonction des besoins du marché. Donc vous allez les lâcher sur le marché du travail. Est-ce que ces formations seront adaptées toujours aux besoins du marché? Absolument. Allez, on y va. Comment voulez-vous que les jeunes se lèvent tôt le matin? La forme physique est tout à fait complémentaire, finalement, de l'exercice intellectuel qu'on leur demande.